Eh bien salut à tous, c'est Schizofaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Resident Evil, comme tous les week-ends. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on avait trouvé la carte d'accès bleue, bien sûr on avait eu une petite cassette vidéo à regarder, on va regarder ça tout de suite, on continue l'épisode d'hier, c'est parti. Oh là. Quoi? Tu me crois pas? Ça te voit, j'ai l'air de faire semblant. Ça, j'ai mis des choses à mettre au sang point, et c'est en temps prêt. Mais tout ça, rien que pour toi. Allez, vas-y. Fais pas la gueule. On va bien se marrer. Tu vas voir. Ok, donc je sais pas quel personnage on joue du tout. On va prendre la bougie. Ok, on peut prendre la bougie. Putain, lui, il a sale gueule. Donc je sais pas du tout quel personnage c'est. Alors là, je suis un peu dans l'ombre. Ok, ça ressemble à pas grand chose. On va essayer de rusher pour pas trop traîner là. Ok, il a l'air d'avoir rien en plus. Ok. J'ai intitulé ce jeu, j'aimerais vraiment sortir de cette pièce vivante et ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Oh là. C'est un titre provisoire. Prends une bougie, allume-la et mets-la sur le gâteau. Et n'oublie pas de sourire, cette fête est pour toi. Prends une bougie, allume-la, bah j'avais une bougie. Ok, ça va être un truc tordu. J'ai pas de combinaison, on va pas tester au hasard. Ça nous fait, ouais, cette combinaison, ça fait un peu bordel. Donc là, on a une douche, donc on est un peu, voilà. On va essayer d'allumer le feu. Ok. Donc on peut allumer la bougie. Ça, c'est pas le problème. On allume la bougie, mais à chaque fois qu'on va passer là, le problème, c'est que ça va se machiner. Ça. Un screen. Moi je vais foutre le feu à la baraque, ça ira plus vite. Ok, d'accord. Avec la bougie on peut cramer les portes, ça nous permet de les ouvrir. Oh là. Ping. Qui c'est qui a jamais rêvé de faire ça un jour? J'ai vu le A. Voilà, ballon. Ok, on appuie sur le ballon. Désolé, je suis un vrai gosse. Je m'amuse. Y a quoi là? Difficile d'ouvrir ça sans le mot de passe. Happy. Happy, bah ouais. Bah, si j'ai pas le mot de passe, je vais pas l'ouvrir. Donc là, on s'en fout un peu. Donc ça, je peux rien faire. Donc je peux pas passer là-bas, c'est sûr. Donc là, c'est le gaz pour allumer la bougie. Il me faudrait un indice. Ça rentre pas. Ok, donc ça doit être un truc bizarre. Non, il manque un doigt. Ok. C'est une grosse énigme. On va continuer à faire le tour. On sait jamais, on peut trouver quelque chose qui nous intéresse. Ah. Il n'y a pas d'eau qui en sort. Ok. On s'est fait un peu avoir. Ok, on a fait un peu le tour. Donc je sais pas ce que j'ai zappé. Voilà, ça va déborder là. Non, il y a un truc là. Oh la vache, c'est dégueulasse. Oh. J'ai la gerbe. Ok, c'est quoi ce truc? Télescope sale. Un télescope. Qu'est-ce qu'on va faire avec un télescope? Sélectionnez le télescope dans l'inventaire. Utiliser. Ok, bah, le problème c'est qu'on voit rien. Alors est-ce qu'on peut passer là? Sélectionner le télescope, peut-être qu'on pourra le laver. Voilà. Ah. Eh, c'est pas idiot le truc.
Ok, le télescope est délavé, donc c'est nickel. Ça, bah, j'ai toujours le problème de pas savoir. Clé de remontage. Ok, on a une clé de remontage. Alors, je vois pas à quoi ça va servir, mais il faudrait que j'essaye, ça ne s'arrête pas de couler. Ok, d'accord. Clé de remontage, ça va peut-être servir pour ça. Pour éteindre la flotte. Ouais, si, si, pour éteindre, non. Impossible, si, si, ouais, c'était trop beau. On va rallumer la bougie au cas où j'ai besoin de quelque chose. Donc là, je comprends pas trop l'énigme. On va essayer la clé de remontage ici. Ouais. Alors, je suis pas fada du truc, moi. Le télescope, peut-être? Ça ne rentre pas. Ok. On a dû oublier de ramasser un outil ou un truc comme ça. Ça, on peut pas l'ouvrir, ça. Un peu bloqué. Donc la clé, on avait bien trouvé, donc on a peut-être oublié quelque chose quelque part. Ou c'est peut-être la bougie tout simplement qu'il faut poser. J'ai pas essayé de mettre la bougie. Ça rentre pas. On va essayer le ballon. Non, ça rentre pas. Ok. Donc là on a vraiment que dalle. Où est-ce que j'aurais trouvé quelque chose? Est-ce que dans l'inventaire on a quelque chose? Non. Mettez une bougie allumée sur le gâteau. Ouais, bah oui. Bah oui, oui, je voudrais bien. Je voudrais bien. On a oublié un outil, mais je suis sûr que le boulon là-bas, c'est pour couper la flotte, mais il faut trouver... faut trouver le machin, et le machin, il y a un truc là. Wow. Ok, un clou. Oh là. Ça doit faire mal. Une plume. Ok, donc la plume, je suppose que... La plume, ça doit être pour le clown. Je sais pas pourquoi, je m'attends à une grosse connerie. Ça tient... Ça ne tient pas. Oh, tu fous de ma gueule. Il a cassé un peu les pouces, là. Sérieux. Donc on doit voir autre chose. On va essayer de bien fouiller. Là, ça a bouché le truc, c'est fermé. Yeah, ok. Il doit avoir un mot de passe dans le coin. C'est obligé pour pouvoir ouvrir. Ouais. La bougie n'est pas allumée. Ouais, bah oui, je sais que la bougie n'est pas allumée. Déjà, à quoi peut servir la plume? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est à quoi peut servir la plume vu qu'on a rien. Le ballon c'était pour la plume, on a eu la plume. Là il doit bien avoir un truc, il doit avoir... Là il n'y a rien. Pourtant l'encrier il est là, c'est la plume qui devrait rentrer ici. Ça ne tient pas, pourquoi ça ne tiendrait pas? Ah, parce qu'il manque le doigt. Il manque le doigt. Ah ouais, faut chercher le doigt. Ok. Donc, on a éclaté tous les ballons de la pièce et je comprends pas, il y a toujours rien. Il y a toujours rien. C'est quoi ce bordel là? Je vais galérer, je vais tourner en rond, je vais galérer. On va essayer de le faire péter lui. Faut pas l'attraper. Ça doit bien servir à quelque chose, ça. Ok, voilà le code. Voilà le mot de passe. Ok, donc un pendu, un corbeau et un fœtus. Oh, bah vieux. Je pouvais toujours chercher. Hein. Donc, ok, on a retrouvé le mot de passe. Donc, c'est parti pour... Un pendu, voilà. Un corbeau, là. Et un fœtus, normalement.
Ok, voilà, c'est débrouillé, nickel. Et on a gagné, je sais pas trop quoi. Poupée de paille. Ok, on n'est pas plus avancé avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire de la poupée de paille? Ah, peut-être pour l'autre, là, le bonhomme, là. On va aller voir. Est-ce qu'ils veulent rentrer? Ça ne rentre pas. Ok, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. Poupée de paille. De toute façon, je peux rien faire là. Non, impossible ça d'utiliser ça ici. Où c'est qu'on peut utiliser la poupée de paille? Est-ce que ça, ça brûle en fait? On va essayer. Ok, ça fait brûler. On peut le brûler. Ok, le doigt. Le doigt, bah ouais, le doigt, bah voilà. On n'a plus qu'à mettre le doigt. Ok, donc le doigt, la plume. Ok, et on enclenche le système. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là là. Oh là là. Bowser. Voir votre bras. LB. Ok. Ok. On s'est fait tatouer. Ok, bah ça nous a pas plus avancé. On a débloqué une énigme, ça nous a pas plus avancé. Donc alors est-ce que ça serait le mot de passe d'ici? Ouais, on dirait bien que oui. On dirait bien que oui. Ça rentrerait pile poil. Ok. Et c'était ça. Ok. On a réussi à débloquer la porte. Le volant. Et ben on va éteindre la flotte. Et bien sûr, on va pouvoir dire que on va pouvoir allumer le gâteau d'anniversaire. Vroom. Voilà. Voilà, l'eau elle coule plus. Donc on va pouvoir allumer le gâteau. Putain, c'était une sacrée énigme. Wow, c'était une sacrée énigme. J'ai tourné un moment, hein. J'ai fait des montages, donc vous l'avez pas forcément remarqué. Mais j'ai tourné un moment. Ok. C'était sûr que ça allait péter ce truc. Voilà. Bon, le gars il va brûler. Merde! 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 Oh putain! Ah. Non! Ouais, je passe par où? Arrête de gueuler! Oh là là! Bah il a brûlé! A perdu? Faut pas tout recommencer! Ah non, c'est bon! Joyeux anniversaire! Ah lol! D'accord, tout ça pour ça! Ah bah! Eh ben, sacrée aventure, hein. Sacrée aventure avec cette histoire de cassette, hein. Cette énigme. Donc du coup, bah là, c'est bon, hein. On a vu la cassette, donc ça nous a pas appris grand-chose, à part qu'il y en a un qui s'est fait cramer la gueule. Là, on avait tout pris, donc on avait que les répliques qui étaient en haut. Ce que je vais faire, c'est faire attention, déjà, en premier temps. Je sais plus, est-ce que j'ai la clé serpent sur moi? Il me semble pas, ouais, il me semble pas. Donc on va retourner à l'inventaire. Et je vais aller rechercher la petite clé serpent. Pouh. Donc les amis, vous m'excuserez. Je fais une petite sauvegarde. Je vous dis un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis bien sûr, bah, la prochaine à Schizofaf. L'épisode, je vous en remets un demain.
Désolé, s'ils sont un peu courts, j'essaierai de me rattraper sur le troisième. J'aurai peut-être plus de temps pour le monter et vous l'uploader. Allez, bisous, ciao, ciao.